La puissance de Dieu descend. Une onction, être là, elle va sauter. Après, si vous tombez. Il ne met pas de renouvellement. Regarde, l'huile coule sur ta tête. Only flowing. La coupe tes portes ce matin. Now your cup overflow. Your cup overflow. Regarde, femme, pendant que ma main est sur ta tête. As my hand is over you. Regarde, Dieu me parle de confusion. Quand on va confusion, ils seront dans la confusion. Dans une confusion. Être là, il y a quelque chose qui se passe. Regarde, j'entends la voix de Dieu qui me dit ceci. Il me dit, mon serviteur, le temps est arrivé. The time has come. Où elle rentrera dans les liens du mariage. She's going to get married. La puissance de Dieu me dit de te dire ceci. The power of God is telling me to tell you. La voix de Dieu me dit de te dire ceci. The voice of the Lord tells me to tell you. L'heure a sonné. The time has come. Femme, l'heure a sonné. The time has come. Quelque chose est en train de se passer. Something is happening. Restitution me dit Dieu. Restitution, God says. Restitution me dit Dieu. God says, restitution. Ils seront dans la confusion. There will be confusion. Regarde, l'onction descend. They are not coming. Elle confirme la parole. Now confirm the word. Fire, receive it. Quelque chose. Fire. Lève simplement tes mains. L'onction descend sur toi. The anointing coming upon you. J'ai dit l'onction descend sur toi. L'onction descend sur toi. L'Éternel te restaure. The Lord restoring you. L'Éternel te restaure. The Lord restoring. Je déclare en tant que prophète. As a prophet. Que tes ennemis se dispersent. May your enemy be scattered. Je déclare en tant que prophète. I declare. Que tes ennemis se dispersent. May your enemy be scattered. Nom puissant de Jésus. Il y a une dame qui est ici. Tu as fait fausse couche. Viens, je vais prier pour toi. A woman, you made a miscarriage. Come, I'll pray for you. Tu as fait une fausse couche, viens, je vais prier you got, pour toi. You have a miscarriage. Récemment, tu as fait un rêve où tu as vu les enfants dans le rêve, viens. And you saw children in your ventre. Dream. Tu es là, viens, je vais prier pour toi. Come, I'll pray for you. Mets-toi comme ça. C'est ta première fois de venir. Tends la main droite, viens mettre l'enfant dans ton ventre. Tends la main droite, mets-toi derrière elle. Tends la main droite comme ça. C'est toi qui sors. Viens moi, ferme les yeux. Je commande maintenant. J'ai entendu les cris de l'enfant. I hear the cry of the children. À l'instant où je parle. As I'm talking. À l'instant où je parle. As I'm talking. J'ai introduit une fillette dans ses entrailles. I bring a girl in your womb. J'ai introduit une fillette dans ses entrailles. I bring a girl in your womb. Tu reçois l'enfant maintenant. Receive the child now. Tu reçois l'enfant Receive maintenant. Tu reçois l'enfant Receive maintenant. The child tu reçois l'enfant maintenant. Le feu, 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 le feu. Shalom. Shalom. Quelque chose se passe. Something happening now. Il opère tes entrailles. Now, il opère tes entrailles. Opère tu as beaucoup pleuré. You cry a lot. Mais la fille que tu vas mettre au monde. The girl you give je birth parle to. En tant que prophète. I speak as a prophet. La fille sera rouquine. She'll be ready. Adassa sera son nom. Adassa will be une name. Fille d'étoile. A star. Elle sera chante devant l'Éternel. The singer of the Lord. La puissance de Dieu. The power of la God. Puissance de the Dieu. Power of God. L'Éternel achève ce qu'il the a Lord commencé. What he has L'Éternel started. Achève ce qu'il a commencé. The Lord tu viendras dans ces lieux et tu témoigneras que le prophète a prédit et la chose s'est accomplie. Shalom. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Amen. Lève ta main là où tu es. L'Éternel t'épargne de tout ce qui est fausse accusation. The Lord spare you from any wrong accusation. Prends en considération ce que j'ai dit. Take in consideration what I'm saying. Ici à l'église, j'ai prophétisé sur une jeune fille. A professor, où j'ai dit à sa maman, je vois un viol. I see a rape. Sa maman a négligé ça. She despised it. La fille a été violée. She was raped. Voici ce que je dis. Watch over what I'm saying. False accusation. A wrong accusation. Comprends ce que je dis. See what I'm saying. L'onction qui descend sur moi. The anointing coming. L'Éternel te loigne. The Lord spare you. Fire. Touch. 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 L'Éternel te loigne. The Lord spare you from par it. Le nom puissant de the Jésus. The mighty name of Jesus. Il sécurise ta vie. Secure your life. Il te justifie. Justify you. Cela va arriver. It will happen. Ça sera précisément un vendredi. One Friday. Où ces opérations vont se produire. And will happen. Mais je prie Dieu de te garder. Après, the Lord que ton âme ne se trouve point. It should not be. Les événements vont arriver. Event will happen. Mais tu seras justifié. You be justified. L'Éternel va te garder. The Lord will keep parce you. Parce que ce que sa bouche dit. What is ça met le pouvoir de l'accomplir. Shalom au nom de Shalom. Jésus. In the name of Jesus. Psaume 25, surtout le verset 4 Psalm 25. Et 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Vas-y. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté,
car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Amen. On prend le psaume 103, surtout le verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Amen. 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 Le dernier, psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. 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 Matthieu. Yes, we go. La Bible parle de l'homme. The Bible talk about man. Et nous sommes des hommes. We are men. Dieu nous a créés. God created us à son image. At his image. Afin que nous puissions toujours le glorifier. So that we can glorify him. Et Dieu a mis en nous God put in us une lumière. A light. Il a mis l'âme, the light, l'esprit the spirit dans notre corps. And our body. Et c'est ce qui fait que what make nous us, sommes différents we are different de d'autres espèces and from those qui vivent sur la terre those who live on et même dans l'eau. And in water. On peut appeler peut-être du poisson we can call a fish et des animaux and animals qui ont un esprit de groupe. Who have a spirit of nous, on est individuels. And we are individual. C'est pourquoi that's why nous sommes les hommes. We are men. Alors la Bible dit the Bible declare, l'homme man est comme l'herbe. Like a grass. L'herbe fleurit. The grass flourish, et après, and later, ça n'existe plus là. It doesn't exist anymore. C'est pour dire que nous, les hommes, we men, nous sommes des passages. We are just passing et quand l'homme regarde and when look at man, look at sa photo, his picture, quand il était encore when bébé, when we're baby, quand il était jeune, when we're young, quand il était au lycée, when we're school, quand il était à l'université, school, by university, quand il était avec ses amis, with his friend, quand il était un peu dans les maquis, where were the, et maintenant quand il s'assoit quelque part, when il voit que les photos ne se ressemblent pas. The picture are not look like. Amen. 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 Quand les photos ne se ressemblent pas, when the picture doesn't look like, c'est pour dire que to tell you, hier tu étais au sommet, yesterday you were on the top, mais la courbe commence à descendre. But now you are coming down. Et quand la courbe commence à descendre, and when you are coming down, il faut comprendre understand, que la force que tu avais, the strength you have tu n'as plus cette force. You don't have it anymore. C'est à ce moment-là, then, les plus jeunes qui sont là, the youngest, et que les hommes aussi qui sont là, the men who are ils there, se rappellent they remember de ce que maman disait, what mama de ce que mémé disait, what de ce que papy disait. What your grandfather et c'est say, ce qu'on a appelé what we call la sagesse. Wisdom. Comment est venu? We amen. Amen. Et quand tu atteins ce seuil, when you reach that level, tu commences à voir you begin to see beaucoup de choses many things par rapport aux autres. Through, et les gens vont appeler ça quoi? We can call it, ils ont un autre mot we had another word qu'ils to say. Utilisent. We used to on say, dit non, c'est des anciens. Hein? Ils connaissent. They know it. Ils ont beaucoup d'expérience. They have many more experience. C'est là le mot d'expérience. They show the experience. Mais dans l'expérience, in that experience, nous avons la fidélité we have faithfulness de Dieu. Of God. Lorsque tu as l'expérience when you have experience, et que tu marches avec Dieu, you walk with God, Dieu qui est Dieu God who is et God, qui sait que c'est lui qui donne l'expérience dans sa fidélité, tu marches tout droit you go right et tu sais où est-ce que tu vas and you know where you are going, et tu as la bénédiction. And you have a blessing. C'est pourquoi that's why quelqu'un somebody, quelque part somewhere else, qui a reçu who received Jésus-Christ dans son miracle que je disais, yeah, said, je vais à l'église tous les jours, always, mais je ne vois pas, but I don't see, je ne sens rien. I don't feel, mais but,
Quelqu'un à l'entrée de Jérusalem a reçu Jésus-Christ. On appelait quelque part lui qui collectait l'argent. Donc c'est Jacé que tout le monde connaît. Il a reçu Jésus-Christ, sa bénédiction. Mais il y a des gens qui disaient que mais et nous? Mais à la sortie de Jérusalem, il y avait aussi quelqu'un qu'on va appeler Bartimée. C'était à la sortie. C'est pour dire que lorsque tu viens à l'église, il ne faut pas être pressé. Don't rush. La bénédiction de Dieu vient pour chacun, mais chacun à sa place, là où Dieu va le bénir. Amen. Mais lui, Bartimée n'était pas à l'entrée. Il était à la sortie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées que la Bible ne nous dit pas. Avant de sortir, il y a eu beaucoup de choses. Mais ce jour-là, quelqu'un a crié le nom de Jésus. Mais je vous dis, quand tu es ici en France et tu es quelque part et quelqu'un regarde derrière et puis tu attends un mot, quelqu'un dit « Prenons ». Mais il est là. Ici, hein? Mais il va regarder derrière, il va he dire look black by. Qui me connaît? Who knows me? Les gens disent c'est l'évangéliste Léandre. They say evangelist. Mais quelqu'un Léandre a dit un nom. Somebody said a name. Donc lui-même il est effrayé. Himself et puis il regarde derrière. And look back. Tout le monde dit Elvige ici. Everybody say mais Elvige. Quand on dit un autre nom de Elvige, when they say another name of Elvige, ah, là c'est grave. Then have a problem. On dit Jésus. They say Jesus. Mais quelqu'un a dit fils de son of David. David. Mais il est obligé de regarder derrière. He had to look back. Et quand il a regardé derrière, when look back, amen. Amen. Quand il a regardé derrière, when look back, quelque chose va changer. Something changed. Et le monsieur s'approche. The man went near, les gens ont commencé the people à le repousser. Began to rebuke him. D'abord, on commença par les apôtres. Donc, commence à le repousser. La foule lui là, il va faire quoi? C'est pour what demander quoi? C'est pour demander l'argent. To ask money. Et tout le monde savait que ce monsieur était toujours assis là. Everybody il ne demandait que de l'argent. Money. Parce qu'il n'avait rien pour manger, il he ne voyait rien. Mais Jésus-Christ dans sa robe, d'abord il n'a pas de poche. D'abord Jésus n'a jamais travaillé. He never worked. Tout le monde savait qu'il n'a pas d'argent dans he sa poche. No money in mais poche. Les apôtres ont oublié que c'est lui la solution de tout ce qui se passe dans le monde. C'est lui. La solution, c'est Jésus-Christ. Mais ils ont oublié cela. Et quand Bartimée est arrivé, il a surpris les gens. Au lieu de dire, Matthieu, donne-moi l'argent. Jésus, donne-moi l'argent. Il a dit, aujourd'hui, là, moi aussi, je veux voir. Amen. Amen. Je veux voir ce que Dieu a créé. I want to see what j'attends, God created, mais je ne vois pas. But I don't see. À tout le monde s'est arrêté. Everybody stopped. Les apôtres ont eu peur. The apostles were afraid. Il a dit autre chose. He said another thing. C'était aussi une délivrance. It was also a des délivrance hommes de Dieu of et de la foule. On the crowd. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Is anybody following me? Est-ce que quelqu'un me suit? Is anybody following me? Ils étaient délivrés. They were delivered. D'autres ont su aujourd'hui. Some people knew today. Le mot, la solution, solution était une réalité. It was a reality. Auprès de Jésus-Christ. Yeah, Jesus Christ. Mais pour but rentrer dans le thème, we went with it. N'oublie pas l'essentiel. Don't forget the essential. L'essentiel c'est quoi? The essential is what? Est-ce que Bartimée est parti chez lui? When Bartimée went away, go to, est-ce qu'il est allé à la maison? When you, did you go to Jesus home? Qu'est-ce qu'il va faire? What he did? Il va suivre Jésus. He followed Jesus. Il dit là où tu vas là, je vais là-bas. Wherever you are going, là où tu vas ici, je vais là-bas. Where où tu vas aller là, où tu dors, je dors là-bas. Sleep parce qu'il n'avait jamais vu ça. Jesus had never seen. L'essentiel. The essential. Dans la parole de Dieu. In the word of the Lord. Quand on a fait la lecture when we read tout à l'heure, we saw the, on a parlé de la cuirasse. We talk about the tu veux avoir la cuirasse? You want to have a shield? Tu veux que Dieu te couvre? You want God to mais est-ce cover que tu you es dans l'essentiel are you de the Dieu? Essential of, with him? Amen. Amen. Tu veux que le Seigneur you want the Lord soit cuirasse pour toi, be a shelter pour te couvrir you, réellement. To cover you mais est-ce que toi-même, you yourself, quand tu marches, when you wear, est-ce que tu es prêt are you ready pour que Dieu lui-même for God pense à toi? Je disais toujours I was à quelqu'un, I said to somebody,
Et il y a trois juges. There are three judges. Il y a trois juges dans le monde. There are three judges in the world. Amen. Amen. Le premier que je connais, the first I know, c'est Dieu. God. Amen. Amen. Le deuxième qu'on m'a enseigné, the second, c'est moi-même, c'est toi et moi. You and I. Dieu a mis en toi une flamme. God c'est put toi. You, God put you in. Le troisième juge, the third judge, c'est ton voisin. Is your neighbor. C'est ton peuple. Is your people. C'est les gens qui sont autour de toi. Your neighbor. Ils sont en train de dire they are saying, qui il est. Who c'est is qui. Who? Je marche avec qui. Lui, who? C'est qui. Who il te juge. Is a judge. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Tu es prêt pour être dans l'essentiel? Are you ready to go to the essential? Il y a trois juges. There are three judges. Dieu lui-même l'a dit. God said, Dieu le Père. God Father, Dieu le Fils. God Son, Dieu le Saint-Esprit. God Holy Spirit. Tu es à la maison. You are at home. Quand tu es à l'église, tu es tranquille. You mais quand tu arrives à la maison, est-ce que tu es tranquille? Est-ce qu'on sent en toi quand tu te déplaces que c'est un chrétien qui passe? Est-ce que tes interventions, là où tu travailles, là où tu vas faire les achats, est-ce que tes interventions sont correctes? Amen. C'est ça. L'essentiel. C'est ça, si tu veux avancer if you want to go forward, avec le Christ, with Christ, si tu veux le suivre, if you want to follow l'essentiel, the essential, n'oublie pas don't forget l'essentiel the essential, comme Bartimée. As Bartimaeus. N'oublie pas l'essentiel don't forget the essential, comme Bartimée. Like Bartimaeus. Quelqu'un disait, somebody said, c'est quand les gens ont peur when people are afraid, qu'ils croient and they believe, et que les animistes. They lorsqu'on dit de jurer sur le fétiche, il sait que le couteau est là, il va mourir tout de suite. Mais nous, nous sommes sur un temps de grâce. We are under grace. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous gracier. To grant us grace. Amen. Amen. Donc nous avons ce temps we have that time de réfléchir, to think, de marcher avec lui, to walk with de him, prier. To pray, de demander pardon à notre Dieu, mais de ne plus refaire cela. Quand tu as demandé pardon et que Dieu l'a enlevé, ne reprends pas. Le Seigneur a dit, même si tes péchés sont comme la cramoisie, il est le seul qui peut te pardonner ses péchés. Mais ne retourne pas là. Il faut que tu avances. Parce que tu le sais que ta vie est comme l'herbe qui fleurit et qui meurt le soir. Lorsque il est matin, tu vas voir les fleurs très jolies jusqu'à midi qui s'ouvrent, mais jusqu'au soir, ils vont sombrer. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la Bible déclare que si réellement tu veux aller au Père, ne cherche pas à payer un ticket au dehors. Paye le ticket au guichet ici. Amen. Si tu payes un ticket au dehors et que ce ticket n'est pas valable, c'est ce que Maître Kone vient d'expliquer tout à l'heure. Est-ce que le papier que tu as, les ACD que tu as, est-ce que c'est le vrai que tu as? Est-ce que c'est l'État qui t'a donné cela? Si c'est l'État qui t'a donné et que tu as un bon ticket du train, quand il y a le contrôleur, il te contrôle, on dit monsieur, au revoir, merci, vraiment fais un bon voyage. Mais si ton ticket est noir, a été truqué quelque part, on dit toi, tu restes là. Tu ne bougeras pas. Tu ne peux pas aller. C'est là que tu vas crier. Mais Seigneur, oh le contrôleur, mais écoutez, moi j'ai payé ça. On dit non. Tous les jours, tu étais à Astin, tu étais là, à Pierrefitte, à la gare, tu étais à l'église. Mais est-ce que réellement, tu avais connu Jésus-Christ? Amen. Est-ce que réellement, lorsque Major était en train de crier tous les jours dans tes oreilles, est-ce que tu as attendu? Est-ce qu'arrivé à la maison, tu as médité? Amen. Ton ticket n'est pas valable. Tu restes là. Et on va t'envoyer les mélottes. Tu vas aller à gauche au lieu d'aller à droite. Amen. N'oublie pas l'essentiel. Amen.
Amen. Amen. J'aime les chants. I love the singers. Ils sont à l'heure. They are time. Je voyais quelqu'un qui arrivait ici, who came here, tout timide, so shy, mais elle a choisi dans la maison de Dieu de chanter. To sing. Je ne pensais pas qu'elle pouvait bien chanter, mais elle a réussi à chanter. Elle s'est débrouillée. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de l'aider. Amen. Dieu, God, lorsque tu es avec son esprit, c'est lui qui te pousse à faire le bien et à avancer. Enfin, c'est lui qui donne son esprit. Give his spirit himself, God. Mais quand tu as l'esprit de l'autre, when you have the other spirit, moi je n'ai pas l'habitude de dire son nom. Me, I don't used to say parce his son nom ne m'intéresse pas. Name, I'm not tu interested. Es là au lieu de faire l'essentiel, tu rentres toujours dans always autre chose pour aller communiquer autre chose. On va dire, mais c'est une pie ou bien c'est quoi? Tu parles trop, tu parles trop, tu parles de quoi? Je préfère parler de Christ, de Jésus-Christ. Partout où tu passes, tu n'auras pas peur de ça. Amen. 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 Matthieu. Yes. Amen. J'aime ce peuple. I love these people. Parce que quand je les regarde, when I look at them, ils aiment Dieu. They love God. Dans leur fidélité. In their faithfulness. Je les aime parce que, regardez le nombre que nous sommes. Look at the number we are. La salle coûte cher. The place, mais nous payons toujours la salle pour rester là. We pay pour prier notre Dieu. To pray our God. Et que Dieu lui-même sait qu'il nous donne la force de le prier parce que pray, la salle dans laquelle nous prions, c'est l'essentiel. Major disait la dernière fois que non. Quand j'appelle, when I call, mon ministre de l'économie, elle est assise là. Elle dit, ah mais Major, la salle n'est pas encore payée. Moi, je ne peux rien faire. Mais c'est l'essentiel. Si on n'a pas de salle, est-ce qu'on peut venir s'asseoir? Aujourd'hui, il pleut. Mais on est où? On est épargné de la pluie. La salle, c'est l'essentiel. C'est pourquoi je dis, j'aime ce peuple. Si tu sais que tu te déplaces pour aller dans une salle et qu'on prie dans cette salle et que toi-même, tu touches ta poche, pour que cette salle soit disponible pour toi, tu es à l'essentiel. C'est pour dire que le major a dit, les responsables tant, les temps tant, le peuple tant, ça c'est son barème qu'il nous a donné. Mais si toi tu sais que Dieu a mis la flamme dans toi et que tu as les moyens, tu le fais. C'est pourquoi j'aime ce peuple. Parce que tous les jours, ils s'engagent et on paye la salle. Amen. Je voulais vous rappeler que vraiment, quand on a touché ce thème, spécialement, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est l'essentiel, que les gens appellent priorité. La première priorité, la deuxième priorité, la troisième priorité, Dieu trois fois saint est très important dans la vie de l'homme. Ta salle, ta maison, ta santé toi-même, et ensuite les enfants et le reste. Mais lorsque tu viens dans cette salle, le Seigneur, notre Dieu, dans le psaume 71 qu'on vient de lire, il a parlé de la cuirasse. C'est lui qui peut te protéger. C'est lui qui peut protéger ta maison. C'est lui qui peut te donner la place où toi tu vas avoir l'argent pour que tu puisses payer sa salle. C'est l'essentiel. Amen. Quand tu sors d'ici et que tu sais que tu as reçu la nourriture de Dieu, qui est la parole de Dieu, et que toi-même tu te reconnais en Dieu, mais tu vas avoir peur de quoi? Amen. Beaucoup d'hommes disent que c'est Dieu qui est fort. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour ça?
Are they ready for it? Beaucoup d'hommes le disent tous les jours. Many said it all day. Mais toi, tu es assis ici ou bien tu es assis ici. Quand tu dis c'est Dieu qui est fort, mais il attend rapidement ta parole. Parce qu'il sait que c'est son enfant qui est en train de crier. Amen. Tout le monde peut le dire. Everybody can say it. Mais quand toi-même tu le connais, quand tu dis Seigneur, Lord, il répond immédiatement. Answer, il dit je suis là. I'm here. J'encourage ceux qui sont dans les épreuves. Le Seigneur n'oublie personne. The Lord not forget nobody. Ceux qui sont dans les épreuves, those who are in trial, pendant tout ce temps de jeûne, all the time of fasting, beaucoup d'hommes d'entre nous ont eu des problèmes. Problem. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. The Lord knows what he's doing. Nous le savons. We know it. Nous prions le Seigneur. We pray to mais il sait ce qu'il fait. He knows what j'encourage doing. Le peuple de Dieu. The people au of nom God. De Jésus-Christ, the name of Jesus. Soyez toujours prêts à louer votre Dieu. Merci Seigneur. Moving in our midst, I worship you.